mettre dans la lumière. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de bien remplir l'ensemble des chaises de manière à ce qu'on puisse essayer d'asseoir le maximum de personnes, puisque la salle est pleine. Bonsoir à Sylvestre Maurice, que Anne-Serface Denis de la 3AF aussi va présenter. Eh bien, écoutez, les conférences astronautiques, c'est ce partenariat entre la 3AF, l'association, et puis la Cité de l'Espace pour faire en sorte qu'on traite des grands sujets d'astronautique. Je crois qu'on va traiter d'Ariane, on va traiter des comètes, on va traiter de beaucoup de choses. Mais on a voulu absolument tenter pour débuter ce cycle, en quelque sorte, cette année d'exploration spatiale que la Cité de l'Espace veut mettre encore en valeur avec Curiosity, bien sûr. Mais Sylvestre n'est pas là pour Curiosity ce soir. Et puis Rosetta, la mission Rosetta qu'on a suivie, dont on a vu, peut-être vous avez vu qu'elle s'est réveillée cette fois le 20 janvier, eh bien nous allons le 26 avril ouvrir une exposition sur Rosetta et toujours un peu sur Curiosity et Mars et l'exploration de Mars. Donc dans tout ça, on a voulu commencer par une chose, c'est faire un peu le contexte et se dire c'est quoi le système solaire. On en a tous une vision, en tout cas pour beaucoup, dont moi une vision un petit peu peut-être passée quand on n'a pas le temps de s'y plonger, et je trouve que c'était vraiment bien qu'on puisse un peu rebalayer le système solaire et puis son évolution. Merci, et puis donc je passe la parole à Anne qui va nous parler de la 3AF et de Sylvestre. Merci Philippe. Donc effectivement, je suis là au titre de la 3AF ce soir, et très accessoirement, je travaille un petit peu au CNES quand la 3AF m'en laisse le temps. Non, j'exagère. Le cycle de conférences dont vous parlez, Philippe, je suppose que tout le monde a pris le petit papier qui se trouve à l'entrée, mais il n'y en a peut-être plus d'ailleurs. Enfin bon, demandez-le s'il n'y en a plus, parce qu'effectivement, c'est le cycle qu'on vous propose pour l'année 2014. Alors la 3AF, qui est donc associée à la Cité de l'Espace pour l'organisation de ce cycle, se présente comme la société savante dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace. Un certain nombre de membres ici sont présents. Si vous n'êtes pas membre, il n'est pas trop tard pour bien faire, puisque vous trouverez sur Internet toutes les informations concernant la 3AF, qui est une association nationale qui aujourd'hui rassemble, je crois, alors je l'ai noté pour être sûr de ne pas me tromper, mais 1400 membres à ce jour. Alors ça doit changer un petit peu tous les jours, et qui est une association qui opère sur l'ensemble du territoire avec un certain nombre de régions plus ou moins actives, et Midi-Pyrénées fait bien entendu partie des régions parmi les plus actives, en particulier dans le domaine spatial. Non, là j'exagère, à Toulouse il ne faut pas dire ça trop fort, mais j'exagère pas. Merci Manola. Ben voilà, c'est parfait. Donc, si vous ne faites pas partie de la 3AF, allez vous informer sur ses activités. Ça vous permet de recevoir en direct un certain nombre d'informations. Et puis, si vous vous en sentez et le cœur et l'envie, eh bien, n'hésitez pas à adhérer. C'est une association ouverte à toutes les bonnes volontés. Voilà. Alors, quand même, deux mots de Sylvestre Maurice, parce que je pense que c'est un peu grâce à lui que nous sommes là aussi ce soir, sans doute aussi grâce à l'attachement que nous portons à la cité. Alors, vraiment, deux mots. Moi, effectivement, j'ai été voir sur sa page de l'IRAP, et qu'est-ce que j'ai lu? Ben, ce que vous voyez là, astrophysicien, astronome. C'est tout ce qui a marqué hein, sur sa page. Non, docteur en astrophysique, j'exagère. Et puis là, il rajoute planétologue. Je l'ai souvent entendu dire, non, il y a peut-être un peu de temps, spécialiste de la Lune. Bon, enfin, voilà. Alors, astrophysicien, ben, c'est à ça qu'il a été formé, d'après ce que j'ai cru comprendre. Si je me trompe, il rectifiera. Astronome, ben, c'est sa fonction, l'OMP, et puis planétologue, c'est ce qu'il occupe, je crois, pas mal en ce moment, quoi, un peu tous les jours. Voilà. Alors, Sylvestre a dit un jour, enfin moi je l'avais noté en tout cas, qu'il rêvait d'être astronaute et qu'il était un enfant d'Apollo. Bon, il n'est pas forcément trop tard pour bien faire. En tout cas, ce qu'on sait de lui, et peut-être avez-vous déjà eu le plaisir de l'écouter à cette occasion-là, c'est qu'il est le papa de Kemkam, qui a été embarqué sur le rover Curiosity, qui aujourd'hui navigue sur Mars. Voilà, donc ça, effectivement, c'est, vous avez sans doute déjà eu l'occasion de l'entendre sur le sujet. Il dit de lui qu'il s'amuse dans son travail. Bon, c'est bien, hein. Voilà. Ça lui arrive de dormir de temps en temps. Et effectivement, le travail, c'est facile. Le travail, c'est facile, j'imagine, sous-entendu, quand on s'amuse dans son travail, bien entendu. Moi, j'ai quand même noté un défaut de Sylvestre que je voudrais souligner, c'est qu'il a été post-doctorant à l'ESA et pas au CNES. Bon, c'est pas très grave, on lui pardonnera ce défaut. Alors, de quoi va-t-il nous parler ce soir? Il y a 14 ans, on avait le plaisir d'une intervention de sa part auprès d'enseignants sur le même sujet, le système solaire. Et il disait, 1960, le titre de sa conférence, c'était 1960-2000, 40 ans d'exploration du système solaire, qu'a-t-on appris? Voilà. Alors, il nous rappelait à cette occasion-là que les 40 dernières années,
donc en 2000, représentait une révolution dans la connaissance du système solaire. Et n'oubliez pas de mentionner qu'il avait fallu 2000 ans pour situer le Soleil au centre de ce système. Alors, la question qu'on a envie de lui poser ce soir, ben, 14 ans après, est-ce que la révolution a continué ou pas? Je pense qu'il va nous dire effectivement quelles sont les dernières nouvelles du système solaire. Et puis peut-être qu'il nous dira que la révolution continuera et qu'il y a peut-être encore des choses à apprendre. En tout cas, merci d'être là, Sylvestre, et bonne conférence à tout le monde. Bien, ben merci pour cet accueil élogieux. Et je suis content de revenir 14 ans après pour parler du système solaire et bien souvent ici à la Cité. Avec grand plaisir, je regarde la technique, si tout va bien. On va en plus avoir la chance de faire partager cette présentation avec les réseaux, je ne sais pas quoi, sociaux, enfin je ne sais pas, Internet, voilà. En fait, il ne faut pas que je regarde cette conférence d'il y a 14 ans, parce que je crois qu'on était assez mauvais à l'époque. Là, je vais vous montrer des trucs vraiment bien. Et puis si je reviens dans 14 ans, je dirais que ça, c'était mauvais, que c'est vraiment mieux. Donc voilà, on fait partie de ces sciences en mouvement. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Et c'est un peu mon but aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses. J'ai essayé de construire vraiment un truc pour vous ce soir avec une sorte de fil directeur. Et, mais il y a de la physique. Tiens, tu coupes ton micro, sinon ça... Et il y a de la physique, la physique est au centre de tout ce qu'on fait, comprendre les processus, comment ça marche, et j'espère ne pas vous perdre dans cette physique. Le système solaire, pour vous, c'est simple, ça doit être simple. On vous l'a appris à l'école, il y a 4 petites planètes qu'on appelle les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et il y a 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et puis des petits corps. Il y en a plein des petits corps. Il y a les comètes qui viennent de très loin, qui se rapprochent, qui subliment auprès du Soleil. Il y a les astéroïdes, des petits corps plutôt, des orbites plutôt circulaires, qui traînent un peu là, de sorte de planètes avortées. Il y a des objets transneptuniens, très loin, toute une famille d'objets. Vous connaissiez Pluton, et puis après je peux vous parler de QOR, de Eris, Sedna, etc. Il y en a plus de 200. Le système solaire, c'est des corps qui tournent autour du Soleil. Il y a beaucoup de corps. Et c'est plutôt simple à regarder comme ça. Et le paysage s'est largement complexifié il y a quelques années, quand on a commencé à découvrir d'autres systèmes solaires. Ça, c'est la première grande nouvelle. Il n'y a pas qu'un système solaire. Moi, jusqu'en 1995 à peu près, il y avait le Soleil et les planètes. Et maintenant, il y a d'autres étoiles dans l'univers qui ont elles aussi des planètes. Ça s'appelle les exoplanètes. Évidemment, il faudra que j'en parle. Alors, ce système solaire, on va évidemment plonger dedans ce soir. Et je vais essayer de tenir en un peu plus d'une heure. Et vous montrer d'abord l'extraordinaire diversité des paysages. Regardez ici, alors j'ai pris quelques paysages un peu, pas au hasard, hein, complètement. À droite, c'est la Terre, marquée par l'eau, mais je peux vous parler de Mars, sur lequel on navigue tous les jours ici à Toulouse, qui est ici. À côté, vous avez Vénus, vous avez la Lune, un astéroïde, Itokawa, ou bien le Titan. Rien qu'à regarder ces paysages, vous constatez qu'il y a des couleurs différentes, il y a des compositions, enfin, des textures différentes, la chimie différente. Et c'est cette diversité du système solaire qui, clairement, va faire sa richesse. Alors, les planétologues, donc planétologue spécialiste des planètes, hein, je ne sais même plus de laquelle, mais il fallait bien en choisir une, et la Lune. Et vous verrez que la Lune est mère de toutes nos découvertes, en quelque sorte, dans le système solaire. Voici, ça, j'ai pris ça dans un truc que j'étais en train d'écrire pour le CNES en ce moment, justement. On est en train de réfléchir à ce qu'on va faire dans les 10 ans à venir. Quelles sont les grandes questions? En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 grandes questions dans le système solaire. Un, la question des origines. Comment tout ça s'est formé? Comment le système s'est mis en place? Est-ce que le système d'aujourd'hui, c'est ce que je dis ici, est-ce que je peux dire qu'il y a 4 milliards d'années, les planètes étaient les mêmes au même endroit? Ça, c'est la question des origines. Comment ça s'est formé? Comment ça a évolué les caractéristiques des planètes? Deuxième grande question. Ça, c'est un peu la boîte à outils pour faire toutes les autres sciences. Caractériser toutes les atmosphères, les surfaces, le volcanisme. Ça, c'est des matériaux dont vous aurez besoin pour comprendre chacune des planètes. Et puis, un autre pilier qui est apparu, justement, depuis à peu près 2000, un petit peu avant, l'habitabilité. Un pilier fondamental qui est de se dire, est-ce que j'ai une planète habitable, créatrialement, qui s'appelle la Terre, est-ce que j'en ai une autre, une deuxième, une troisième, une quatrième, où sont les planètes habitables?
et si possible, sont-elles habitées ? Sorte de question au deuxième ordre. Alors j'ai mis des petits mots, j'ai dit bon, le système solaire d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, ça je vais pouvoir vous le montrer, que les histoires individuelles sont parfois liées entre elles, ça c'est étonnant. On a toujours l'impression de penser que Jupiter il fait son truc dans son coin, Saturne, et puis la Terre, et puis Mars. Et bien non, vous allez voir qu'en fait tout le monde se parle, c'est un peu étonnant, surtout au début de l'histoire du système solaire. Et puis à la fin, je dis souvent que la nature a plus d'imagination que l'homme, ça c'est très clair. À chaque fois qu'on voit quelque chose, on dit ah, on n'y avait pas pensé, et puis on fait la théorie, on dit oui, c'est vrai que ça doit exister. Et voilà. Et en permanence, on est surpris par ce qu'on trouve dans le système solaire. Et évidemment, le planétologue, il a une référence fondamentale, c'est la Terre. C'est la Terre avec l'eau, les petits bonshommes qui vont vivre dessus. On va faire une planétologie qui est forcément comparative, se comparer les uns et les autres, et surtout se ramener à notre propre histoire, à l'histoire de la Terre. Alors, ce système solaire, aujourd'hui, très honnêtement, regardez, vous avez Messenger qui tourne autour de Mercure, Vénus Express de l'ESA autour de Vénus. La Lune, en ce moment, il y en a un. Vous savez, ce qu'ont fait les Chinois, c'est bluffant, hein, le petit rover qu'ils ont mis, là, la lapin de jade, qu'ils ont mis il y a 2 mois. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. LADEE qui est en orbite, Grail, Lunar Reconnaissance Orbiter. Alors évidemment, il y en a 5 en ce moment sur Mars, Dawn autour des astéroïdes, Rosetta de l'ESA pour les comètes, et il y en a d'ailleurs d'autres, des tout petits, Juno pour Jupiter, Cassini, etc. Ça, c'est ce qui vole en ce moment. On vit une époque formidable. Voilà, il faut quand même dire quand ça va bien. En ce moment, on vit une époque extraordinaire. Ça devrait se terminer vu le périmètre de nos financements pour les années à venir. J'ai vu les budgets, ça devrait se calmer. Mais n'empêche que là, c'est l'héritage 1990-2000. J'ai l'impression que ça devait aller bien dans nos pays. Il y a les quelques pays qui peuvent se permettre de se payer ça. Hein. C'est-à-dire c'est globalement les Américains, les Européens, et puis on voit apparaître maintenant Chinois, Indiens et Japonais. Et puis les Russes ne sont plus dans le paysage, hein, malheureusement. Ces pays ont engagé un effort extraordinaire pour répondre à ces questions que je viens de nommer. Je vous ai dit, toute histoire pour moi de planétologie commence par la Lune. On l'a extraordinairement vu lorsque les astronautes ont ramassé ces échantillons et les ont étudiés, et là on a tout appris. C'est la pierre de Rosette. On joue beaucoup avec le mot Rosetta ces derniers temps, mais même si les comètes, c'est la pierre de Rosette de la compréhension, de la formation, c'est la Lune, moi, qui m'intéresse. Et je vais poser 2 grandes questions. D'où vient-elle? Et puis, est-ce qu'elle est vraiment liée à cette histoire de la Terre? Alors, cette Lune que vous voyez ici à la surface, hein, vous êtes une vision Apollo, puisque vous voyez dans le ciel la Terre, eh bien, cette Lune est liée à la Terre. C'est un couple, Lune et Terre. Et on vit ensemble. Vous enlevez la Lune, la Terre, elle est complètement différente. Elle se met à basculer sur son axe. D'ailleurs, on pense que la vie disparaît. Parce que quand on bascule, voilà, les saisons changent tellement que d'un côté ça va brûler, de l'autre côté il fera très froid de la planète. Et donc sans la Lune, on n'est même pas sûr que la vie puisse être là. Aujourd'hui, alors que je vous parle, on est tous d'accord, la Terre tourne en 24 heures sur elle-même. La Lune, elle tourne en 28 jours autour de la Terre. Est-ce qu'elle tourne autour d'elle-même? Oui, elle tourne en 28 jours. La preuve, c'est qu'elle monte toujours à la même face. D'accord? Et elle est à peu près à 60 fois le rayon de la Terre, 360 000, ou exactement 380 000 km, 60 fois le rayon de la Terre. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que, ce qui va m'intéresser, c'est le couplage entre les deux. Là, il y a un peu de physique, c'est-à-dire quand la Lune avance dans son mouvement, puis la Terre tourne plus vite, elle tourne en 24 heures, elle en 28 jours, ça va créer des effets de marée, et les effets de marée vont prélever de l'énergie sur le système. Ça va faire 2 choses. 1, la Terre ralentit. Sachez que tous les ans, elle ralentit d'à peu près 2 millisecondes par siècle. Voilà, on perd 2 millisecondes tous les siècles. Ça, c'est pas gênant, mais on vit avec. Hein, on change d'ailleurs, on adapte nos horloges ultra précises pour en tenir compte. Et puis, en même temps, la Lune s'éloigne. La Lune s'éloigne d'à peu près 3-4 cm par an. Et ça, on l'a très bien mesuré avec le laser Lune. C'est-à-dire qu'on a un laser quelque part en France qui tire sur la Lune. Heureusement, il y a des astronautes qui ont posé un réflecteur. On peut discuter de savoir si quelqu'un s'est jamais posé sur la Lune. En tout cas, moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui a posé un réflecteur. Donc, le laser nous revient, on mesure, on s'aperçoit que la Lune recule. La Lune recule et la Terre ralentit. Voilà. Alors, la question, c'est quand la Lune s'est formée. Bon, la Lune s'est formée, on va y venir très vite. C'est à peu près en même temps que la Terre, à quelques millions d'années près. Mais où était la Lune quand elle s'est formée? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de prendre... Parce que si je prends... Tout bêtement, regardez, on va y venir, mais si je prends ce recul ici, puis je le projette dans le passé,
vous allez voir que ça ne marche pas du tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, des évidences comme quoi la Terre ralentit, j'en ai trouvé en paléontologie. Voici quelques millions d'années depuis aujourd'hui, où à peu près, on a à peu près un peu plus de 29 jours par mois. Et puis, si on remonte dans le temps, on s'aperçoit ici qu'on arrivait à caser une trentaine de jours par mois. La Terre ralentit. Voilà, la Terre ralentit. Quelle était sa vitesse au départ? Eh bien, c'est cette courbe ici. Alors ici, je considère que ça, c'est aujourd'hui, où je trouve, alors ça, c'est le... On est à peu près à 380 000 kilomètres, on est là. Et puis, j'essaie de projeter dans le passé. Voilà le modèle, tac, tac, je projette. Qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois qu'il y a 1,5 milliard d'années, la Lune était collée sur la Terre. Ça, ça ne marche pas bien. Si je projette exactement avec le même taux que celui d'aujourd'hui, la Lune est carrément à la surface de la Terre. Et ça, ça me pose un problème. D'autant que moi, je sais que quand je regarde les échantillons que j'ai trouvés, plutôt que les astronautes ont ramenés, je vois très bien que la Lune n'a pas 1,5 milliard d'années. Elle en a 4,5. D'ailleurs, c'est parmi les plus vieux cailloux de toutes nos collections. Donc j'ai déjà un problème, c'est est-ce que je suis capable de remonter dans le temps? Et moi, j'étais idiot, et je me suis toujours dit, mais ça doit être super facile de faire un modèle de dissipation d'énergie entre la Terre et la Lune, et c'est de comprendre où était la Lune quand elle est née. Eh bien, c'est un truc qu'on ne sait pas faire. Alors, on ajuste un peu, on bricole les trucs, on a des modèles où on fait intervenir l'océan pour modifier les paramètres de couplage entre les deux. On triche un peu, parce qu'on sait bien, ce qu'on veut trouver à la fin. Bon, de toute façon, on sait quand la Terre est à cause des échantillons. Alors voilà, aujourd'hui, globalement, la Terre est là, on l'a fait revenir et tous nos modèles convergent pour dire que la Lune est ce qu'on appelle la limite de Roche. Elle est pratiquement sur la Terre. Elle est à 3 fois le rayon de la Terre. Donc imaginez, vous sortez au moment où la Lune s'est formée, vous aviez une énorme Lune dans le ciel qui était absolument colossale. Et à l'époque, si on a cette distance, la Terre tournait en 5 à 6 heures. Si on n'avait pas eu la Lune, la Terre tournerait toujours en 5 à 6 heures. Donc les jours, ça ferait des jours de 3 heures, ça fait un peu court. D'accord? 5 à 6 heures. Bon, voilà. Donc on va partir, ça c'est les modèles, il y a plein de modèles dans tous les sens, qui disent, ben voilà, au départ, la Lune était donc très près de la Terre, et puis une Terre tournait super vite. Bon, j'espère que vous avez déjà appris quelque chose. Et on va former la Lune. Alors, quand on forme la Lune, et on va essayer de contraindre un peu le problème, donc on forme une Lune qui tourne en 6 heures, il y a 4,56 milliards d'années, ça on le sait d'après les échantillons, avec très près de la Terre, 3 à 5 fois le rayon de la Terre, donc pratiquement, voilà. Quelles sont les contraintes qu'on a? On a une contrainte très forte, c'est qu'on l'a mesurée en mesurant ce qu'on appelle les isotopes de l'oxygène. Vous savez, l'oxygène, il y a l'oxygène qu'on voit tous les jours, mais il y en a des lourds et des pas lourds. Ça, on rajoute des neutrons, ça s'appelle les isotopes. On compare les isotopes. Et ça, c'est un truc très, très fin. On a fait une mesure des isotopes de l'oxygène grâce aux échantillons. On s'est rendu compte que ça, c'était la valeur. Le très pointillé, c'est la Terre. Ça, c'est la Lune. On s'est rendu compte que c'est un accord absolument parfait entre les isotopes de l'oxygène, de la Lune et ceux de la Terre. Et c'est très différent, par exemple, de ce qu'on sait de Mars ou de ce qu'on sait d'autres familles de météorites qui viennent d'autres objets. Et ça, c'est très fort. Ça veut forcément dire que la Lune et la Terre ont une origine commune. Et à partir de cet argument, on a commencé à développer une théorie comme quoi la Lune était un morceau de la Terre. S'il n'y a pas d'autre moyen, si la Lune avait été formée ailleurs, un autre endroit du système solaire, elle aurait une composition isotopique très différente de celle de la Terre. Et maintenant, il y a un papier il y a 2 ans qui a montré qu'on n'est pas véritablement à 4,56 milliards d'années pour la Lune, mais peut-être 200 millions après la formation de la Terre. La Terre se forme, 200 millions d'années passent, et puis là, il y a un énorme impact qui va arracher cette fameuse Lune. Et donc, il faut construire finalement la Lune à partir du manteau de la Terre. Alors voici le modèle qu'on appelle le modèle canonique, c'est celui qu'on avait en 1980, qui est un modèle assez simple, où vous avez un objet qui s'appelle Theia, on lui a donné un nom, il n'existe plus cet objet, il est à peu près la taille de Mars, à peu près, c'est-à-dire 10 à 15 fois la masse de la Terre, et puis il arrive et il va frapper la Terre. La Terre, comme elle a déjà eu un peu de temps, peut-être une centaine, 200 millions d'années, elle s'est déjà différenciée, les éléments lourds sont au centre, et puis ça, c'est le manteau. Pareil ici, les éléments lourds sont au centre. Et donc, Theia vient frapper, il y a une collision entre les deux. Globalement, le cœur, alors c'est pas très facile à imaginer, mais le cœur de Theia fond et va jusqu'au centre de la Terre, et puis les deux manteaux, on arrache le manteau de la Terre, et du manteau de la Terre naîtra
et un peu de Théia, naîtra aussi très vite la Lune. Ça, c'est un modèle qui marche assez bien, et on l'a fait en 1980, et puis c'est le modèle de la formation de la Lune par impact. Voilà. Bon, moi, je trouve ça génial, savoir que la Lune est un morceau de la Terre. Évidemment, pendant une phase, la Terre ressemble à rien, mais ça va très vite. Hein. En quelques milliers d'années, ce truc-là se fait. D'accord ? Et donc, on forme une Lune qui est à peu près là. La Terre n'a pas bougé. La Terre est restée à 6 heures à peu près de rotation. Elle n'a pas bougé. La Lune est formée près de ce qu'on appelle la limite de Roche. Vous allez voir très très près, 3, 5 fois le rayon de la Terre. Avec d'ailleurs une petite inclinaison dont on doit rendre compte. Mais ce qui nous gêne, c'est que la chimie, quand on fait ce modèle-là, on se rend compte que la Lune doit avoir un petit peu, devrait avoir un peu de Théia, un peu de la Terre. Et, mais comme l'impact est ce qu'on appelle un peu lent, on aura surtout, ça devrait être vaguement des morceaux de Terre et des morceaux de Théia. Et puis les uns se collent. Le mélange n'est pas parfait. Alors ça a gêné beaucoup de monde, on y a réfléchi pendant longtemps. Et on arrive à une nouvelle génération déjà de mesures et de modèles. Alors pourquoi une nouvelle génération de mesures? C'est que les gens disent, bon, mais c'est pas grave, l'oxygène c'est un volatile, il doit s'évaporer. Donc dans l'impact, l'oxygène s'évapore. Et puis s'il y a un peu de Théia, et un peu... Alors Théia, on pense qu'il vient d'ailleurs. Comme il vient d'ailleurs, au départ, il avait une composition isotopique oxygène différente. Donc les deux doivent se mélanger. C'est les volatiles, ça se mélange. Donc ça allait à peu près. Jusqu'à un moment où, je pense que c'était en 2012, donc c'est pas très... je ne vous fais pas de la science d'il y a longtemps, hein, quand même. En 2012, on fait une nouvelle mesure de ce qu'on appelle les isotopes du titane. C'est très difficile à mesurer les isotopes du titane. Et là, on montre la même chose. Vous avez la Terre qui est en bleu et la Lune. Et là, pareil, les isotopes du titane sont... les mêmes sur la Lune que sur la Terre. Et alors on dit, ben, le petit modèle où oui, les gaz, les volatiles, ça se mélange, ça ne marche plus. Le titane, ce n'est pas un volatile, hein, c'est un réfractaire. Comment on a réussi à mélanger les deux? Et donc le modèle, en quelque sorte, se casse la figure. Donc on est années, ça oscille entre 2000, 2010, 2012, on avance pas mal. D'ailleurs, avant ces mesures du titane, quelqu'un qui s'appelait Stevenson principalement avait fait un autre modèle. Il avait dit, bon, ben, ce n'est pas très grave. On va supposer que lorsque la Terre est percutée par Théia, il se fabrique déjà du magma, une sorte d'anneau duquel va naître la Terre, et puis un gaz. Et on va dire, ben, dans tout le gaz est tellement chaud qu'il va réussir à mélanger à la fois les éléments volatiles et à la fois les éléments réfractaires. Et c'est ce qu'on pense. Et, par contre, quand on fait des calculs, on dit, oui, mais pour que le mélange se passe, il faut au moins 100 ans. Or, en 100 ans, il faut rester que le gaz reste 100 ans. Or, en 100 ans, les réfractaires ont déjà le temps de faire des grumeaux. La Lune commence à se construire. Donc, ce modèle réduit améliore un peu le mélange, mais pas assez. Donc, on dit, bon, c'est déjà un bon modèle, mais si c'est ça le cas, ben, le cœur de la Lune, c'est peut-être ça, et puis la surface de la Lune, c'est fait avec des éléments qui sont là mieux mélangés. Ça voudrait dire qu'il y a un morceau de Théia au fond de la Lune. Pourquoi pas? Mais on ne sait pas, un polo, on a fait que la surface, il faudra aller dans d'autres missions. Donc ça ne résout pas tout. Et puis jusqu'à la fin, où on pense que maintenant on tient le bon bout, avec un nouveau modèle, alors il y a plein de textes, mais je vais vous montrer ça en images, qui est paru en 2012, où là, les gens qui l'ont fait, c'est Cuk et Stewart, alors ils disent, bon, on pourrait résoudre toutes nos histoires de modèles avec une hypothèse en plus. Supposons qu'au départ, la Terre tourne encore plus vite que les fameuses 5 à 6 heures. Alors on dit jusqu'où on pourrait aller jusqu'à 2 heures. Plus de 2 heures, la Terre est disloquée, elle ne tiendrait pas. 2 heures, c'est un peu la rupture. On dit, ben voilà, essayons de démarrer. Est-ce qu'on n'aurait pas eu une Terre qui, tout au début, tournait en 2 heures, 2 à 3 heures? À ce moment-là, une Terre qui dure en 2 ou 3 heures, je la choque. Alors là, elle s'explose complètement. Et puis là, pour le coup, ça fait un mélange parfait. Et c'était ça leur idée. Alors ils disent que, ben, y a Théia, qui est à peu près un demi-Mars, qui vient percuter assez vite, hein, 20 km par seconde, c'est rapide, percuter notre Terre, voilà, et qui en 24 heures, on va faire un énorme disque complètement mélangé, parfaitement stable, puis après vous allez voir comment il évolue. Et en 10 000 ans, vous formez la Lune. Eh bien, on pense que pour l'instant, c'est le modèle, mais je vais revenir dans 14 ans, et puis je vous dirai que ce n'était pas le bon, qu'il y en a un autre, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a de mieux. La meilleure possibilité est... alors, comment ça se passe? Regardez une simulation... ici, alors on va peut-être, voilà, alors ça va très vite, je recommence parce que ça va trop vite même. Alors comment je fais? Hop. Je vais arrêter, voilà, bon, vous l'avez vu, Théia est arrivée, Théia a percuté
la Terre. Alors ça, c'est le cœur de la Terre, ça, c'est le manteau. Theia, c'était en jaune et rouge. Ici, vous avez ce qu'on appelle la limite de Roche. Alors, la limite de Roche, ça existe pour toutes les planètes. C'est la limite. Si je viens dans la limite de Roche, la planète se casse. C'est tout ça. Le corps se casse. La Terre a une limite de Roche. Quand on a un astéroïde, en général, qui pénètre la limite de Roche, les effets de marée sont plus forts que la cohésion, et l'astéroïde explose. C'est pour ça que souvent, les corps qui tombent sur Terre, bon, il y a l'atmosphère aussi, se cassent en morceaux avant de tomber sur Terre. Bon, la limite de Roche, c'est globalement, vous ne pouvez pas construire une planète à l'intérieur de la limite de Roche, un satellite. Il faut vraiment être à l'extérieur. Bon, mais c'est ce qui va se passer. Évidemment, je vous ai dit qu'elle était juste à la limite de Roche, cette Lune. Donc, on vient frapper, Theia vient frapper la Terre, et puis, ça va très vite, la Terre tourne, elle tourne en 2 heures, là elle éjecte tout. Il y a un énorme morceau qui est éjecté, qui retombe en grande majorité sur Terre, et là il y a un grand mélange. Ça va très très vite, et vous voyez que 6 heures, 10 heures, là on va très vite, la Terre, en une dizaine d'heures, elle s'est pratiquement, enfin une grande majorité est retombée, et il reste un petit peu de matière, un tout petit peu de matière à l'extérieur, et toutes les simulations montrent que la matière à l'extérieur est parfaitement mélangée. Voilà, on a réussi à créer un nuage de matière ici, parce que, elle était sensible, la Terre, il suffisait de la frapper pour qu'elle explose. En fait, on a pratiquement explosé toute la Terre, quand même, il faut être honnête. On n'a pas touché vraiment au cœur. Et la Terre, bon, alors, après, en 24 heures, on fait un disque de matière qui est là. C'est toutes les petites particules qui sont là, et puis qui, en 10 000 ans, vont se coller les unes aux autres pour faire la Lune. C'est ça notre scénario de formation de la Lune. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce scénario, on va regarder un autre paramètre. Je vais essayer d'arrêter. Hop. L'autre paramètre, c'est ici le. Alors, vous allez oublier le moment angulaire, mais vous allez surtout regarder ici. Alors là, c'est les années, 3000 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand la Lune se forme, après, elle est très près. Vous voyez, elle a quelques rayons. Là, elle a 5 rayons de la Terre. Et elle va tourner autour de la Terre, très très près. Et la Terre tourne encore, on vous l'a dit, en deux heures, un peu plus, 2 heures et demie. Et le couplage entre la Terre et la Lune, il y a un truc que les gens ont mis du temps à trouver. En fait, on va transférer de l'énergie de la Terre à la Lune au Soleil. C'est un truc assez bizarre, c'est un couplage qu'on voit très bien dans les équations. Et ce qu'il va faire, c'est qu'on va ralentir la Terre. Et regardez ce qu'a donné ce modèle, et c'est pour ça qu'on croit dans ce modèle, c'est que, alors, on transfère du moment angulaire. La Lune se balade. Pendant un temps, l'orbite de la Lune est très elliptique. Et là, on est à peu près, bon, elle est formée, hein, donc on est 20 000 ans. 30 000 ans, là maintenant elle est formée la Lune, je ne suis plus dans la formation, c'est la Lune est là, puis elle tourne autour de la Terre, elle se balade, et en même temps que ça, elle se circularise, et la Terre ralentit. Et vous voyez, la Terre est à 4 heures, et après elle va arriver à 5 heures, et là on arrive à peu près, quand on est à peu près, on arrive à 6 heures à peu près, je crois qu'on va s'arrêter à 6 heures, on a une Lune qui est pratiquement circularisée, qui est devenue à peu près stable, à peu près à 5 fois le rayon de la Terre. Et on a retrouvé notre condition, qui est notre condition de départ pour l'évolution, une Lune qui tourne autour, à peu près à 5, entre 3 et 5 fois le rayon de la Terre, et une Terre qui tourne en 6 heures. Voilà le modèle qu'on a. Voilà, ça, c'est l'état de l'art aujourd'hui de cette histoire de Lune. Je peux vous dire, on changera encore, mais on progresse pas mal. Donc, la Lune est un morceau de la Terre. Ça, j'aurais pu vous le dire il y a 10-20 ans, c'était acquis. Maintenant, on commence à toucher du doigt comment ça se forme et comment la Lune est extraordinairement proche du manteau terrestre, parce qu'il y a eu cet extraordinaire mélange. Voilà, donc l'affaire continue. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a fait progresser cette affaire? C'est d'abord les simulations numériques. On lance plein de particules dans l'ordinateur, puis il fait son truc, puis pof, ça fait une Lune, ça marche plutôt bien. Mais surtout, la contrainte, c'est les échantillons. Et c'est ça que je trouve magique, c'est qu'on ne mesurera jamais assez l'importance des échantillons de ramener de la Lune. Vous savez qu'on en a ramené 350 kilos et quelques, on n'en a même pas regardé la moitié. On a la moitié qu'on a laissée pour toi, pour les générations d'après, parce que vous aurez des instruments meilleurs que nous. Et les manips qui ont été faites en 2012, on ne pouvait pas les faire en 69, quand on a les échantillons. Donc on en a gardé plein pour pouvoir améliorer l'étude des échantillons et contraindre les modèles. Bon, ceci dit, il y a une chose intéressante, c'est que Theia, tout ça, tout ce modèle tient par l'idée que Theia, il a forcément une composition différente de la Terre. Pourquoi? Parce qu'on dit, bon, Theia, il vient à peu près de Mars, de ce coin-là, donc il a composition de Mars, qui n'a rien à voir en isotope. Mais si par hasard, Theia, au départ, avait exactement la même composition de la Terre, évidemment, notre modèle, il faudrait qu'on revoie tout, puisqu'on s'est basé sur le fait que c'est différent, donc il faut un mélange parfait. Et pour ça, il faudrait qu'on étudie une planète pour creuser cette affaire, c'est Vénus.
C'est pour ça qu'on est plusieurs dans la communauté à dire il faut absolument avoir une mission à la surface de Vénus, mais c'est compliqué pour aller étudier ce voilà. Ça, c'est l'histoire de la Lune. Mais si je dois continuer, je dois vous dire que, en fait, ah, c'est bien beau de parler de la Lune, mais en fait, il n'y a pas qu'une Lune, il y en a plein des Lunes. Regardez autour de Jupiter, Io, Europa, Ganymède et Callisto, il y a notre Lune à nous. Puis ce n'est pas la plus grosse, hein. Europa et Callisto sont plus gros, ou bien Titan autour de Saturne, ou bien Miranda, ou bien Triton autour de Neptune. Moi, j'en connais plus d'une centaine des Lunes. Alors, je ne vais pas aujourd'hui me permettre de les faire toutes. Je vous les mets quand même dans l'ordre des tailles. Hein. La Terre, Mars, ça, ce n'est pas une Lune. Ganymède, Titan, Mercure, Callisto, Io. Oh, notre Lune à nous, elle est là. Europa, Triton. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Ganymède, qui est autour de Jupiter, de Titan, qui est autour de Saturne, Encélade, Saturne aussi, Europa, on va jongler un peu, c'est pas grave si vous oubliez qui est à qui, Jupiter et Saturne. Si je dois faire une analyse très rapide, je prends la taille des corps, leur densité. Moi, je me rends compte que la majorité Io, la Lune, Europa, Triton, Pluton, etc., je mets Pluton aussi dans l'eau d'ailleurs, Rhea, tout ça, c'est plutôt rocheux. Par contre, il y en a quelques-unes, Ganymède, Titan, Callisto, qui sont largement glacées. Ça va être un point important. Le rapport roche-glace va toujours être très important. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas passer une autre pierre de Rosette. Ça, c'est de la pierre. C'est simplement pour dire que voilà, l'ESA a fait quelque chose que personne d'autre n'avait fait, a réussi à poser, vous en souvenez, j'espère, en 2005, Huygens à la surface de Titan. C'était en janvier, où la sonde descend sur son parachute, fait des très belles images pendant la descente et prend cette image. Voilà. Moi, pour ça, c'est une image merveilleuse, elle n'a pas de prix. Alors on voit des cailloux, on les a mesurés, on n'a pas fait beaucoup de choses, mais voilà, on a mesuré les cailloux. Tout ça pour ça, n'empêche que ce satellite autour de Saturne, fallait pénétrer son atmosphère, on n'avait jamais vu sa surface. Alors depuis, on a la chance parce que Cassini continue. Cassini, on a travaillé ensemble sur Cassini en 1980, ouais, je sais pas, ouais, on ne dit pas. Mais ça a été imaginé par quelqu'un qui s'appelle Michel Blanc, à qui on doit beaucoup dans la communauté en 1980. Ça a été décidé en 90, lancé en 97, arrivé en 2004, 24 ans plus tard, l'avoir imaginé. Et ça fonctionne toujours et ça va continuer jusqu'en 2017. Vous pouvez passer votre vie là-dessus, enfin une carrière, vous pouvez passer 40 ans. Et alors, en 2004, c'est ce qu'on a fait. On a fait 11 orbites autour de Saturne et puis on avait visité, on est passé 6 fois à côté de Titan. Et puis chaque année, regardez, il y a certaines fois, alors là, j'ai même plus compté, mais certaines fois, on arrive à passer carrément une vingtaine de fois autour de Titan. On tourne autour de Saturne, puis à chaque fois, on passe près de Titan. Donc à chaque fois qu'on passe près de Titan, on fait du radar. On peut passer aussi près de Tétis, Io, Tétis, Hyperion, on a fait des trucs géniaux. Voici un peu le planning. On en est là, on est en 2014, et on sait, la mort est annoncée. Là, pour le coup, les dernières, on va aller s'écraser sur Saturne, mais on aura vraiment fait la mission la plus extraordinaire, une mission de la NASA et de l'ESA. Et on a commencé à découvrir Titan. C'est un nouveau monde. Première chose qu'on a fait, la topographie. On a essayé, alors on a un peu extrapolé dans cette courbe, parce qu'il y a pas mal de choses, mais globalement, on fonctionne entre, plutôt les pôles sont assez bas, moins 1800, je ne sais plus ce qu'on a pris comme zéro, et puis des montagnes au centre, voilà. Si vous n'avez jamais vu Titan, c'est à ça que ça ressemble. Je vais vous en donner d'autres images plus impressionnantes. De la surface. Alors la surface est extraordinaire sur Titan, parce que ça c'est une vraie lune super active. Il y a des lacs, je vais vous montrer des lacs, peut-être même des volcans. Il y a du vent, donc des champs de dunes, des montagnes. Des réseaux fluviaux actifs. En ce moment, ça coule à la surface de Titan. Alors, il fait 95 Kelvin. 95 Kelvin, ça fait moins 180 degrés. Donc, ça ne coule pas de l'eau. C'est du méthane et de l'éthane. C'est ce qu'on trouve dans les bouteilles de camping. Ça coule à la surface, des hydrocarbures. Et ça, on l'a bien caractérisé. On a trouvé des choses fabuleuses. Et en particulier, on a fait, et ça, c'est sorti, alors évidemment, toute la chimie. Bon, globalement, c'est... c'est 75% d'éthane, 30% de méthane. Il y a plein de trucs bizarres, diacétylène, il y a plein de trucs, des nitriles, globalement. Et il y a des choses qui ne sont pas organiques, il y a très très peu d'eau. Hein. Ça veut dire zéro eau, globalement. On a la chimie du carbone sans oxygène. Ouais, c'est un peu ça. Il y a une atmosphère. L'atmosphère, c'est 1,5 bar. C'est plus que l'atmosphère terrestre en pression, mais c'est pas beaucoup plus. Et une composition de CO2. Alors, on a fait cette carte qui est sortie il y a 2 semaines, 3 semaines. C'est le radar. On a cumulé
tous ces survols pour faire la première carte de la surface de... alors ça, c'est l'hémisphère nord, mais il faut savoir que toutes les parties liquides, les lacs et les mers, donc ici, vous avez trois grandes mers qui sont là, puis plein de petits lacs, dans un domaine ici d'à peu près, j'ai calculé 900 par 1800 km, vous avez à peu près 97% de tous les liquides. Ici, à cet endroit-là, il y a des mers, donc des véritables mers hein, en ce moment, où il y a dessus, il n'y a pas des bateaux, hein, mais on espère, on a un plan là, pour faire une mission, pour poser un radeau. Ça va pas être simple, c'est à faire encore. Mais j'y crois. Bon, on verra bien. 2034, je vous en reparlerai. Mais la question, c'est en fait, ce qui nous, c'est drôle, hein, parce que quand vous avez vu ça, les géologues, ils ont dit, c'est génial. Et puis maintenant, puis ils disent, bon, c'est quoi la prochaine question? La prochaine question, c'est qu'est-ce qui a fait des trous pour faire ces mers? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'impact, c'est une surface assez jeune. Donc on réfléchit encore. C'est probablement des systèmes de failles. Il y a peut-être des sur Terre, il y a ça, deux, trois endroits, des failles qui ont bougé, parce que la croûte a bougé. C'est une croûte majoritairement de glace, hein. C'est de la glace, hein, tout ça. Et puis, ça a creusé quelque part. La glace, à moins 180 degrés, c'est comme de la roche. Hein. Donc voilà, une superbe surface. Évidemment, on n'a pas manqué de regarder le couplage entre la surface et la chimie, ce qu'on appelle les aérosols. Alors, c'est initié, il n'y a pas beaucoup d'énergie, hein, vous êtes loin du Soleil, il y a quand même des photons, des UV du Soleil qui viennent, il y a un peu de particules énergétiques, parce qu'il y a une magnétosphère. Et puis, tout ça prolonge, et puis on synthétise d'ailleurs des molécules qui deviennent de plus en plus grosses, puis à force d'être grosses, on appelle ça des pH, elles s'enfoncent. Elles descendent et ça fait des aérosols. Un aérosol, c'est un petit noyau pour faire un nuage. Alors on a des nuages partout, d'ailleurs, on a une belle couche de nuages. Voilà comment ça se passe. Il y a du méthane, il y a des nuages. Voilà, ça circule. Alors, est-ce qu'il y a des volcans du cryovolcanisme? C'est-à-dire des volcans qui sortiront un peu de méthane et puis ça fait un cycle. Vous savez, sur Terre, il y a le cycle de l'eau, le cycle du CO2. Ben là, il y a du cycle du CH4. Voilà, c'est un monde différent. Et puis, pour terminer, voilà un peu, alors ça, c'est une vue d'artiste. Quand on fait tous les calculs, on s'aperçoit que, alors c'est le dernier truc un peu à la mode, c'est que dans notre lac, là, il y a peut-être des glaçons, il y a des icebergs. Alors, il y a un équilibre avec un peu de méthane et d'éthane, donc voilà, on a imaginé qu'il y avait des icebergs. On n'a pas encore, voilà. On ne les voit pas, on les voit par radar à travers la couche nuageuse. Vous voyez ce monde extraordinaire que Titan, il a vraiment tenu ses promesses. Hein. Nous, on y avait rêvé à la fin des années 90 en envoyant Cassini, et voilà ce que ça a donné. Alors, si je dois faire de la physique, alors ça, je me permets un petit peu de physique. Ça, c'est pour les plus physiciens, les profs, là, j'en ai vu quelques-uns, le point triple de l'eau. Vous vous souvenez du point triple de l'eau? C'est-à-dire, ça, c'est la température, ça, c'est la pression. Ici, c'est le domaine des gaz. Ici, c'est le domaine des solides. Je suis très froid. Et puis ici, c'est le domaine des liquides. L'eau a un truc qui est génial. Ça s'appelle, regardez, une droite de Clapeyron négative, si vous voulez faire les malins ce soir. Qu'est-ce que c'est? C'est cette droite qui est là. Vous voyez, elle est inclinée par ici. Elle est inclinée vers la gauche, la droite entre les solides et les liquides. Ah, ça, c'est exceptionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me mets là, j'ai un solide, et si j'augmente la pression, tap, je passe dans les liquides. J'augmente la pression. Ben, c'est ce qui se passe. Regardez, je suis à la surface, j'ai de la glace, j'augmente la pression. Eh bien, il n'y a pas besoin de changer la température. À température constante, je passe du solide au liquide. Ça, c'est assez génial. Et c'est comme ça qu'on explique que sous la couche de glace de Titan, eh bien, il y a probablement un océan. Puis vous allez voir qu'il y a d'autres cas. C'est aussi le cas de Ganymède. C'est-à-dire Ganymède, c'est simplement la pression. La pression de la glace fait qu'il y a un océan. Alors en fait, pour ceux qui sont, je reviens pour les plus physiciens, vous savez qu'ici, en fait, la glace, elle repart par là, la courbe. Elle va, elle est négative là, puis elle est positive. Ce qui fait que vous traversez ici solide, liquide, et hop, vous revenez solide. C'est de la physique. Ben, la physique vous dit qu'à cause de la pression, j'ai de la glace, j'ai un océan, j'ai de la glace et j'ai de la roche. Tout simplement. Sous Ganymède, sous Titan, sous Europa, sous Encéladus, à cause de la pression de la glace, vous avez des océans. Alors ça ouvre tout un nouveau champ. Regardez, une évidence pour Europa, cet océan qui est sous la glace, eh bien, de temps en temps, à cause des effets de marée, les lunes, elles sont torturées en permanence par cet énorme Jupiter. Vous imaginez, nous, le mal. Parce que vous connaissez les effets de marée de la Lune sur la Terre. Ça fait les océans. Vous n'avez jamais vu ce que c'est que les effets de marée de la Terre sur la Lune. C'est pas bon, hein. Là-haut, on a mis des sismomètres, on les a entendus, les tremblements de Lune. Pas de tremblement de Terre, c'est un peu un tremblement de Lune. Ben là, c'est pire. Sur Jupiter, vu la taille de Jupiter, qui est 10 fois plus gros que la Terre, 1000 fois plus en volume. Bon, un peu moins, parce que la densité est moins en masse, parce qu'il y a moins de densité. Et puis, ce Europa qui est là-bas, il est torturé, et donc ça craque. Et de cet océan, souvent, sort de la matière, et regardez la surface. Ça n'empêche que ces planètes sont extraordinairement plates. Une fois, on cherchait la forme de Ganymède. La plus haute montagne sur Ganymède, elle fait 100 mètres. C'est la Belgique.
Vous imaginez pourquoi? Bah parce que c'est liquide, c'est du... c'est pas liquide, enfin c'est presque... c'est de la glace. La glace, elle se met dans un potentiel, c'est des boules parfaites qui l'empêchent. Alors, évidemment, Europa a plein d'évidences comme quoi il y a un océan dessous. Alors, il est peut-être plus intéressant que celui de Ganymède ou celui de Titan. Pourquoi? Parce qu'on pense que dans le cas d'Europa, il y a glace, océan, et on touche directement la roche. On a même, à cause des phénomènes de marée, sous Europa, il y a peut-être des sources hydrothermales. Donc, on est peut-être plus de 0 degré. On est peut-être à 200 bars. D'ailleurs, à cause de la roche, il y a du sel, il y a des sels qui sont au contact. Il n'y a pas de radiation, pas de lumière. C'est probablement l'endroit le plus fascinant dans le système solaire, mais il va être dur à avoir accès. Hein. C'est-à-dire que vous avez de la glace, un océan et de la roche. Être prisonnier entre deux glaces, c'est moins intéressant, j'y reviendrai. Donc voilà, Europa. Et pour ça, on a envie d'aller voir Europa. On se bat en ce moment pour aller voir Europa. On a lancé, on vient de sélectionner une mission qui va aller voir Ganymède Europa, elle s'appelle JUICE. L'Europe vient de la décider, elle décolle en 2023, elle arrive en 2030. Vous savez, c'est déjà décidé, dans 2030, je sais ce que je fais. Donc elle arrive tel jour, machin. Et puis on voudrait la suivante. Les Américains disent, nous, on ne va pas faire Ganymède, on va plutôt faire Europa, qui est d'ailleurs plus dur. Et voilà. Alors, par contre, on n'est pas capable de se descendre à la surface encore. Ça, c'est un peu compliqué. Alors, l'étonnant sur Cassini, c'est que Cassini a pris un autre petit satellite. On ne s'y attendait pas du tout. Il s'appelle Encelade. Regardez, c'est de la glace. La glace torturée aussi, avec des cratères d'un côté, un rift, donc quelque chose qui a fondu, qui s'est... Et puis, on a fait les calculs. On a vu un geyser sortir. Vous le voyez, ce geyser? Eh bien, là, c'est carrément l'eau qui sort. On a des geysers actifs en ce moment sur Encelade autour de Saturne. Vous voyez comme ces mondes sont passionnants et cette histoire d'eau. Alors, j'ai quand même un analogue. Hein. C'est vrai que ça existe aussi sur Terre. Sur Terre, il y a un jour, on a fait un radar au niveau du pôle sud. On s'est rendu compte qu'il y avait une poche d'eau. Alors, on ne voit pas bien sur les radars, vous savez, la discontinuité entre glace et roche. Par contre, entre glace et liquide, on la voit très bien. Et voilà ce qui se passe en ce moment au lac Vostok. C'est un lac souterrain. Sur Terre, au pôle sud. Alors, on est sur Terre, vous avez là les Russes. Les Russes, c'est les champions des trous. Ils font un trou, mais... Et alors, le problème, c'est que vous avez quoi? De la roche. Vous avez ici votre glace. La pression suffit à transformer ça en eau. Souvenez-vous de ça. Vous avez peut-être un peu d'effet géothermique. Mais là, vous avez un lac qui a plusieurs centaines de millions d'années, qui n'a jamais été en contact avec l'extérieur. Donc, nous, on dit, attendez, est-ce que c'est un analogue d'Europa? Donc on a dit aux Russes, surtout, vous creusez pas, vous arrêtez. Donc ils se sont arrêtés pendant 4-5 ans juste là. Puis là, ils en ont eu marre, ils ont dit, vous m'embêtez, puis ils ont été au fond. Parce qu'on sait qu'avec leur trépan, vous savez, quand on fait un trou, on met du gasoil pour pas... Enfin, c'est pas propre un trou. Hein. Donc ils ont un peu pollué. Mais bon, ils font de la bonne science, et on est en train de voir ici, dans cet endroit, est-ce que ça, c'est pas un analogue de ce qui se passe sur Europe? Est-ce qu'il y a la vie là-dedans? La question, c'est est-ce qu'il y aura la vie, évidemment, sur Europa. Donc, pour résumer, vous voyez comment de la Lune, on est passé à Titan, on est passé à Ganymède, Europa, Callisto, une sorte de filiation. Vous avez des océans qui sont des océans sandwich, qui sont sandwich entre deux couches de glace. Ici, vous voyez l'océan entre deux couches de glace. C'est probablement ce qu'il y a de plus fréquent. C'est pas super, on ne pense pas que ça soit super habitable. Ceux qui sont beaucoup plus passionnants, comme dans le cas d'Europa et Enceladus, alors Titan est plutôt dans ce cas-là, lui sera intéressant pour sa surface, mais pour tout ce qui peut se passer là-dedans, Europa et Enceladus, c'est dans les petits objets où vous avez le contact entre la roche et l'océan, et là c'est passionnant. Et la grande question, c'est sont-ils habitables ? Ces mondes. Et donc je dérive vers une problématique qui est née il n'y a pas très longtemps, qui est celle de l'habitabilité. Qu'est-ce que c'est être habitable? C'est y a-t-il tous les paramètres physico-chimiques pour rendre possible la vie? Qu'est-ce que c'est que ces paramètres? Bon, d'abord c'est de l'eau liquide. Pourquoi? Parce que je ne le dis pas, mais la vie, c'est toute la vie qu'on connaît sur Terre, c'est à base de chimie du carbone. Il n'y a rien qui ne soit pas vivant, qui ne soit pas à base de chimie du carbone. Ça s'appelle la chimie organique. Et à l'inverse, on connaît très bien les chimies du silicium, de l'azote, de tout ce que vous voulez. Ça ne donne pas des chimies super complexes. Ou bien on s'est complètement trompé que la vie, c'est super simple quelque part, mais ça n'y ressemble pas. Ça a l'air vraiment compliqué. Donc, on va chercher la chimie du carbone. Or, la chimie du carbone, elle a un solvant dont elle a besoin. C'est quoi un solvant? C'est un solvant qui prend une molécule là et qui le met là. Et puis qui les met ensemble. Si vous avez un carbone là puis un hydrogène, vous pouvez toujours y aller pour faire de la chimie, si vous n'êtes pas capable. Donc, il vous faut un liquide. Et un liquide en plus qui est dipolaire, c'est-à-dire qui peut attirer les molécules, et c'est de l'eau. Et donc, il nous faut de l'eau liquide pour faire cette habitabilité. Il nous faut des éléments de la chimie organique qu'on appelle les schnops, c'est-à-dire le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. C'est-à-dire, c'est à peu près tout ce que vous êtes fait. Je vous remettrai un peu de calcium et puis un peu de potassium, et à mon avis, on vous fait un bonhomme assez facile.
de l'énergie. Il faut quand même une source d'énergie qui peut être chimique en général. C'est-à-dire qu'il y a certaines molécules qui contiennent de l'énergie, sont capables de se souder entre elles. C'est des réactions qu'on va appeler exothermiques ou endothermiques, l'une ou l'autre. Et puis un environnement stable, il faut du temps. L'habitabilité prend du temps. Alors ça, j'ai mis ça un peu pour faire le malin, parce que dessous ces trucs-là, il y a des échanges dans tous les sens. On va le passer, parce que c'est incompréhensible. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Quels sont les mondes habitables ? Eh bien, on vient de voir que, ben, aujourd'hui, peut-être que Europa, autour de Jupiter, est habitable. Peut-être que Encelade, autour de Saturne, Titan, peut-être, plutôt dans la version atmosphérique que dans la version profonde. Bon, j'oublie, ok, la Terre est habitable, ça je l'enlève. Plutôt qu'aujourd'hui, est-ce que Vénus était habitable ? Et je pense pas que j'aurai le temps de vous parler de Vénus. Est-ce que Mars a été habitable ? Alors donc là, c'est le détour obligé, c'est le détour par Mars. Il faut y venir. C'est une planète qui est au départ ordinaire, une petite planète. La surface de Mars, c'est équivalent à la surface des continents sur Terre. Bon, voilà, ça c'est. Mais quel est son passé ? Il est très clair qu'elle n'a pas, qu'elle a une histoire. Aujourd'hui, Mars, je dirais, est un peu tristounette. Il se passe pas grand-chose. Aujourd'hui, d'ailleurs, comme dans les 3 derniers milliards d'années, il y a des petits glissements de terrain. Il y a le climat. Non, le climat est passionnant. Le climat, une petite atmosphère, 1/100 de pression, du CO2, des saisons, l'atmosphère qui précipite au pôle, il y a un cycle. On sait très très bien prédire le climat. Nous, on fait des bulletins météo tous les jours. Sur Curiosity, on est bien meilleur que sur Terre, c'est plus simple. Des petits trucs qui coulent, mais n'empêche, je dirais, il y a eu un peu de volcanisme. Bon, enfin, il y a un volcan qui fait quand même 28 km de haut. Il y a des choses qui sont passées dans les 3 derniers milliards d'années. Ce n'est pas le Mars qui m'intéresse, ce n'est pas le Mars passionnant. Ça, c'est un Mars qui est froid, qui est sec, une planète qui a perdu son énergie. L'énergie, elle est au centre. Hein. Sous nos pieds, il y a de l'énergie. C'est finalement les éléments radioactifs qu'on a emmagasinés à la formation et puis qui relâchent leur énergie. Eh bien là, c'est terminé. Presque une planète morte. Mars est passionnant dans les deux premiers 1,5 milliard d'années. Pourquoi ? Parce que ici, c'est la période noachienne et on a des évidences, on a plein d'images. Très clairement, là, il y avait de l'eau qui coulait. C'est pas autre chose, c'est de l'eau. Et c'est pas dans les conditions d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y avait une énorme atmosphère, il y avait un effet de serre. Donc, c'était une Mars différente. Je vous ai parlé de ces planètes qui étaient différentes. Donc, ici, c'est une Mars qui était chaude, qui était très humide, beaucoup d'eau. Et là, c'est intéressant. Et puis, une phase de transition, peut-être une phase d'ailleurs avec un océan, mais on y croit de moins en moins, du volcanisme qui naît. Donc, une Mars qui, dans le passé, était différente de la Mars aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse, c'est remettre ça en perspective de la Terre. Je vous ai dit que la Terre est un peu au centre de nos études. Voici la même histoire de la Terre. Aujourd'hui, c'est là. Bon, nous, on est dans l'épaisseur du trait, d'accord ? Les 700 millions d'années, là, c'est toutes les bestioles qui ont laissé des traces. Les dinosaures, je crois que j'ai fait un calcul, ils doivent être à peu près à la virgule, les dinosaures, là. Donc, vous voyez, ils sont là, ça, c'est les dinosaures. Donc voilà, mais tout ce que vous pouvez trouver comme trace, c'est à peu près ici, d'accord ? 700 millions d'années. Pendant tout ce temps-là, alors on ne sait pas quand la vie est née sur Terre. On sait qu'il y a 2,7 milliards d'années, il y avait déjà la vie sur Terre. Les algues bleues, on les appelle, les stromatolites, ça c'est évident, c'est des unicellulaires très simples qu'on trouve d'ailleurs, on en trouve dans sur certaines roches en Australie. Il y a 3,5 milliards d'années, c'est probable. Oui, j'y crois. J'y crois, là, on est en train de regarder, il y a des données qui sortent, il y a peut-être des traces de vie. Il n'y a pas grand-chose, la Terre n'a pas de mémoire. La Terre, il y a l'érosion, la tectonique des plaques, l'érosion évidemment du vent, de la pluie. La Terre, il n'y a rien de vieux là-dehors. Ici, ce n'est pas très vieux, mais de tout casser, vous avez une roche qui fait quoi, 200 millions d'années, 300 millions d'années. Trouver une roche, moi sur la Lune, je prends une roche, elle fait 4 milliards d'années. Hein. Là, il n'y a rien, c'est super jeune. Mais alors, et donc, ça veut dire qu'ici, on a beaucoup de mal à trouver les traces du démarrage de la vie. Certains aimeraient bien le voir ici. Alors, certains disent, mais pourquoi est-ce que... ici, la Terre est trop chaude, l'eau liquide apparaît très vite. Ça, on sait qu'il y avait de l'eau liquide à 4,2 milliards d'années. On l'a trouvé avec des traces de roches très, très fines. Où naît la Terre ? La vie naît vraisemblablement quelque part ici. Bon, ici, souvenez-vous, LHB, Late Heavy Bombardment. J'y reviendrai tout à la fin, je crois que c'est le dernier transparent. 3,9 milliards d'années, ça nous pose un problème si la vie est apparue avant ici. Vous allez voir pourquoi. Mais globalement, la vie est apparue ici, et puis pendant 2 milliards d'années, elle est devenue 3 milliards. Elle est restée hyper simple. Puis d'un seul coup, elle a explosé.
On n'a pas trace de cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est parce que Mars est piégée dans le passé, je vous ai dit que depuis 3 milliards d'années, il ne se passe pas grand-chose, eh bien, elle a gardé cette fenêtre. Et quand je regarde Mars, c'est une Mars ici que je vois, globalement ici. Et donc, c'est là où ça devient très intéressant, c'est comment Mars peut me renseigner sur le passé, sur l'habitabilité de la Terre. Et c'est là la force de Mars. Alors pour ça, on a envoyé plein de bestioles, plein de petits, une quarantaine de petits, des rovers, des landers, des machins. On en a réussi 16 hein, sur les 40, il y en a 24 qu'on a ratés. Mais sur les 16 plein de données, ça c'est une image qui est arrivée hier, hein, je ne sais pas si vous l'avez. Bon, puisque avec Curiosity, on vient de passer une petite dune qui fait 70 cm de haut, hein, elle a l'air d'être haute. On est arrivé là derrière, ça c'est une image où on s'est retourné pour prendre la photo. Et donc Curiosity est à la surface, on l'a célébré ici à la cité, c'était, au moment de l'arrivée c'était en 2012, et on le suit, hein, très fidèle, ce sont les supporters les plus fidèles je crois de la mission, qu'ils suivent régulièrement, et puis eh ben, on regarde nos données. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a regardé comment, ça fait 540 jours martiens, et ce soir, sachez que les commandes ce soir sont à Toulouse, au CNES, puisqu'on a la chance de pouvoir commander une partie, en particulier la caméra chimique qui est là, qui a vu par exemple, ben voilà, on a vu des terrains sédimentaires, vous voyez bien le litage très très fin. Ça, qu'est-ce que c'est? Ben, finalement, c'est de l'eau. De l'eau qui a transformé les roches. Au départ, c'est toujours volcanique, une planète, qui les transforme en terrain sédimentaire. Et avec notre caméra, on a même vu des choses blanches qu'on appelle les sulfates de calcium. Donc, des choses qui sont formées dans de l'eau chaude. Donc, dans le passé, c'était mouillé. On a même fait pire que ça, on a fait un trou. C'est la première fois qu'on faisait un trou à la surface de Mars. Ici, vous avez la montagne vers laquelle on se dirige. En ce moment, on est par ici, on est loin par ici. On a fait 4 km pratiquement depuis ce trou qui était l'hiver dernier, avant l'hiver dernier, l'été dernier. On a fait ce trou, on a analysé pour la première fois ce qui était dans le trou, et je vous donne tout de suite les conclusions. Des analyses en rayon X, des analyses, alors ça c'est les Français qui ont fait une partie de cet instrument de Paris, on a chauffé 250 degrés, 300 degrés, puis on a regardé ce qui sortait. Alors il sortait, ben là j'ai pas marqué, mais il sortait de l'eau, il sortait du CO2, il sortait du soufre, différents types de soufre. Et voilà la conclusion, on a vu des phyllosilicates et des argiles. Première chose qu'on a mis 6 mois pour le trouver, 6 mois pour le trouver, on a fait les analyses machin, à la fin on a dit, on est dans un lac de boue. C'est moi j'étais sur place avec un petit marteau, il suffisait de taper, ça aurait fait, on aurait bien vu que c'était de la boue, c'était pas de la roche. On est dans un lac de boue qui a séché quand même il y a 3 milliards d'années. Dans ce lac de boue qui témoigne de la présence d'eau liquide, on a fait toutes les mesures, le pH à l'époque était neutre. Ni acide ni basique. C'était pas salé. Globalement, c'était de l'eau potable. Voilà. On est dans le fond d'un lac d'eau potable. C'était un milieu réducteur, ça on peut le voir parce que en fait, vous voyez que c'est pas la même couleur. C'est pas oxydé, ça c'est important. Hein. L'oxygène, c'est un poison pour la vie quand elle démarre. Hein. C'est oxydation, c'est un poison. Ensuite, il y a un peu d'énergie chimique. Il y a des molécules qui montrent qu'il y avait de l'énergie à l'époque. On a vu un peu de carbone. Je reviendrai faire une conférence dans quelques mois pour vous parler du carbone sur Mars, probablement. Pour l'instant, il n'y a rien de publié, mais tout ça, on l'a publié en septembre, et voilà, on a déclaré que Mars fut dans le passé habitable. Donc, dans le passé habitable. Ce qu'on n'a pas dit, c'est pendant combien de temps, on n'a pas dit à quelle époque. Donc moi, j'avance dans ma statistique. Merde. Oups. J'ai maintenant 2 planètes habitables dans le système solaire. C'est vrai qu'un astronome avec 2 planètes, il vous fait le reste de l'univers. Une, c'est gênant, on a toujours dit ouais, qu'il y a la Terre qui est habitable, maintenant j'en ai eu 2 qui ont été habitables. Bon, il faut quand même qu'on travaille sur Curiosity, voilà. Alors maintenant, pour avancer plus loin, j'ai un peu bouclé mon système solaire, j'en ai 2 qui étaient dans le passé habitable, je vous ai parlé un peu d'Europe, peut-être sous l'océan, une mission dans 2030-2040, on essaiera d'aller voir sous la glace. Titan, c'est plutôt à la surface, mais il y a des choses intéressantes, il y a Encelade, il y a tout ça. Et finalement, ces autres mondes, parlons-en. Parlons-en de toutes ces planètes qu'on découvre. Alors ça, c'est une image, en juin 2012, on devait être à 786. Alors ce qui est amusant, c'est que ça, c'est toutes les planètes qu'on a trouvées. J'ai trouvé ça joli, hein. Les gens sur Internet font des choses bien. Ici, c'est notre système solaire, il est là. D'accord? Vous avez Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, puis vous ne voyez pas, il y a 2 petits points pour les planètes telluriques. Ça, c'est notre système solaire. Ouais, je sais déjà pas mal de choses là-dessus, mais alors ça, je n'y sais pas grand-chose. Quel monde habitable à découvrir? C'est ma question. Et puis, qu'est-ce qui nous renseigne sur nos... notre monde à nous. Alors, on va déjà suivre les découvertes. Ici, on va mettre les distances orbitales, c'est la distance à laquelle je suis de ma planète. Ici, une unité astronomique, c'est à peu près la Terre. 10, c'est 10 fois plus loin que la Terre, 100. Et je suis par rapport à un soleil. Alors, j'ai des soleils, vous allez voir ici, en général, on donne une couleur au soleil. Il y a des solaires qui sont très riches en fer, et puis des soleils qui sont pauvres en fer. Riches, ils sont là, et pauvres en fer. En fait, on s'est rendu compte, on ne sait pas pourquoi. Plus les soleils sont riches en fer, plus il y a des planètes.
ça s'appelle la métallicité. Enfin, il y a une théorie derrière, on a des petites idées quand même. Mais voilà, tous les soleils qu'on voit. Alors, n'oubliez pas, hein, ce soir, vous sortez, à l'œil nu, vous allez voir 3000 étoiles. Et je peux dire, bientôt, ici, j'espère qu'on pourra voir bientôt les étoiles. À la Cité de l'Espace, vous sortirez, on ira peut-être un jour des télescopes, on se dira, oh, vous avez vu toutes ces étoiles? Et vous regardez, vous dites, laquelle a des planètes? Quand, en 1980, en 90, on disait, moi je pense que celle-là elle a deux planètes, celle-là en a trois, on n'en avait aucune idée, on n'avait jamais vu une seule. On a commencé à les découvrir en 95, et puis on en découvrait de plus en plus, et on les découvrait autour entre 1 à... alors, ça c'est en masse de Terre, donc si j'étais la Terre, je serais là, une masse de Terre à une unité astronomique. Donc ce qu'on voyait, c'est dans les années, en 2001, on en avait déjà vu pas mal, on les voyait... 10 puissance 3, 10 puissance 2, c'est lourd, hein, c'est des grosses planètes. On voit des planètes qui étaient à peu près 1000 fois la taille de la Terre. Des gros, des poids lourds, pas tout à fait, plus gros que Saturne, qui étaient à l'endroit de la Terre, voire plus près. Là, on est carrément à Mercure. Hein. Là, on est à Mercure. On est des Jupiter à Mercure. Plus on en découvrait, alors les instruments deviennent de plus en plus perfectionnés, c'est plus facile de voir des grosses. Donc on en voit, puis voilà, je passe les années 2007, 2010. Et voilà, attendez, là je suis en 2013. Et c'était en septembre 2013. Voilà toutes les planètes qu'on a vues. Donc on n'en a pas encore qui sont à la taille de la Terre. Alors, il y en a une qui est à peu près la taille de la Terre, mais elle est à un autre endroit. La taille de Terre, distance de la Terre, on en a beaucoup de chaudes. Alors la plupart, on les détecte, on sait qu'elles sont là. D'autres, on les voit. Hein, c'est-à-dire qu'on les a vues parce que... Enfin, on les a vues. Elles sont passées devant leur étoile, et donc ça s'appelle un transit. On a pu... Normalement, quand on les détecte, on connaît deux choses. Quand on les détecte, on connaît leur distance orbitale et on connaît leur masse. C'est les deux paramètres qu'on connaît. Si on arrive à les voir passer devant l'étoile, eh bien, on connaît aussi quelques-unes d'entre elles, on connaît leur masse. Alors voici ce qu'on a trouvé comme masse. Donc dans les masses, plutôt, on est à 10 fois la masse de la Terre, ça s'appelle les super-Terres. Là, on est plutôt dans les Jupiter, mais qui sont super près. Alors ça, c'est vraiment le grand point d'interrogation, c'est qu'on voit plein de planètes qui sont... plutôt taille de Jupiter, plutôt près. Y a-t-il là un vrai effet physique ou y a ce qu'on appelle un biais observationnel? Est-ce que c'est simplement la mesure qui me biaise mon échantillon? C'est ça qui est intéressant dans les exoplanètes. Et d'ailleurs, quand je regarde celle-là, on s'aperçoit que... Alors ça, c'est les mêmes, hein, je vous ai dit qu'elles sont très près. Celles qu'on a vues en transit, elles sont très près avec des masses assez fortes. Et quand on voit leur rayon... Ben voilà, c'est à peu près une droite, ça c'est normal, hein, parce qu'il y a une relation entre la masse et puis le rayon, bien sûr, si elles sont faites de roches ou de gaz, là c'est plutôt du gaz d'ailleurs, eh bien vous voyez que vous avez 10 masses de la Terre à peu près pour 5 fois le rayon de la Terre, etc., etc. Ça se comporte à peu près bien. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Alors c'est très difficile de classer toutes ces planètes, et là la planétologie est revenue à ses fondamentaux, elle est revenue à l'astronomie, d'accord? À l'astrophysique, c'est-à-dire il y a du photon. Les astronomes, c'est mes voisins de bureau, je suis astronome, mais bon, ceux qui font vraiment de l'astronomie, eux, ils font du photon toute la journée. Hein. C'est les obsédés des photons, alors qu'ils peuvent être X, infrarouge, gamma, UV, visible. Ils ont des télescopes, ils collectent du photon. C'est des gens des photons. Nous, on a eu de la chance avec nos petits engins. On a fait du photon pendant longtemps, puis après, on a commencé à faire de la chimie, on a commencé à faire des neutrons, on va sur place, on fait de la géophysique, on fait de la sismologie. On a écarté, on a pris toutes les géosciences avec nous, pour aller faire de la planétologie. Sauf que sur le coup des exoplanètes, là, il faut bien qu'on revienne à nos sources, donc on revient à l'astro. Et donc, avec ces photons, eh bien, on n'a pas beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le rayon, la densité, avec un peu de chance, on peut avoir la température et la vitesse d'échappement de l'atmosphère. Si on a la distance, on a à peu près la température de la surface, on a calculé la vitesse d'échappement de l'atmosphère. Alors, il y a plein de paramètres qui existent. Il y en a un que j'aime bien, qui est facile à expliquer, ça s'appelle un indice de similarité. C'est combien je suis pareil que la Terre. Voilà. Si je suis 1, c'est la Terre. Ici, c'est l'intérieur, c'est-à-dire globalement, si j'ai à peu près le rayon, la densité de la Terre, j'ai 1. Et donc, si je suis plus lourd, j'en ai pas beaucoup qui ont la taille, le rayon, la densité de la Terre. Ah ben si, j'ai Vénus qui est pas loin, évidemment. J'ai mis Vénus, la Terre est là, 1. Et puis ici, c'est plutôt la surface, la température, la capacité à garder une atmosphère. D'accord? Donc, alors, on fait des petits... En fait, ça se fait mathématiquement. Hein. Ici, il y en a 258, à l'époque où ça a été fait, qui ont été projetés, 258 planètes en bleu. Et il y a, en vert, je ne les ai pas encore mis, vous allez voir, des candidats Kepler. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez la Terre, elle est 1-1. Et puis là, il y en a une qui commence à s'approcher de la Terre. Ça, c'est la zone où on pense qu'elle serait près de la Terre. Ici, c'est la zone où elle aurait une température voisine de la Terre. Par contre, la masse serait petite. Ici, c'est une rocheuse comme la Terre.
Par contre, elles seraient plus froides. Et puis ici, c'est plutôt des géantes. Et puis on a mis toutes les planètes, et voici les nouveaux candidats Kepler. Hein, Kepler, c'est un satellite qui découvre énormément de planètes. Par contre, il faut les confirmer. Ça s'appelle la confirmation par des observations sol. Donc on les confirme lentement. Conclusion, ben, écoutez, pour être très honnête, pour l'instant, on n'y est pas encore là. Alors si on veut être optimiste, on dit tout ce qui est au-dessus de 0,5, c'est-à-dire tout ce qui est dans cette région, ou 0,6, 0,8, c'est peut-être, ça ressemble peut-être à la Terre. Alors, voici le classement de celles qui sont les plus... Alors c'est un peu à l'arrache, hein, là on fait de la physique, de l'astronomie, quoi. L'astrophysique, un peu aux ordres de grandeur. C'est pas du... ici, la Terre, Gliese, 66, 7C, ça doit être la plus... celle qui ressemble le plus... Alors ça, c'est des vues d'artistes, hein. Kepler, Tau, vous voyez, on en a toute une famille qui sont ce qu'on a de mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, ben voilà, on a identifié celles qui ressemblent un peu à la Terre, qui potentiellement peuvent développer une chimie qui conduise à l'habitabilité. Et c'est quoi l'étape suivante? Ben, l'étape suivante, c'est déjà de les observer, de véritablement les voir, et de faire la spectroscopie de leur atmosphère, caractériser leur atmosphère. C'est ça qui va être important. Et donc, on espère lancer un jour un satellite qui fera la spectroscopie de l'atmosphère. Et qui sait, peut-être dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'on va voir? La bande de la chlorophylle. On est, non seulement c'est habitable, mais c'est habité. D'accord? Après, ce qu'on en fera, ce truc-là, pour y aller, il me faut à peu près, à la vitesse où je vais pour l'instant, il me faut à peu près 200 000 ans, la plus proche. Donc, même pour lui parler, hein, pour lui parler, je lui dis bonjour, en espérant qu'ils reçoivent l'info, que leur civilisation permette d'écouter au même moment que moi. Je rappelle que nous, ça fait 30 ans qu'on est, 50 ans qu'on écoute. C'est pas beaucoup sur 4 milliards et demi d'années. Hein. Que ça soit la même fenêtre, qui comprenne le signal, qui nous renvoie un signal, on aura la réponse dans, ouais, à peu près dans 200, 300 ans. Donc, voilà, pour l'instant, peut-être qu'on est de quoi, mais on va pas faire grand-chose. Hein. Mais c'est ça notre progrès. Alors, où est-ce qu'on en est? Des planètes, on en a 1075. Ça, c'était en date de, je sais pas, il y a 3-4 jours, je crois. 1075, on en a qui attendent. On en a sur le feu, où on sait qu'elles sont peut-être, mais il faut les confirmer. Il y en a de la taille de la Terre, il y en a peut-être dans les candidats une, de la taille plus petite que la Terre, de la taille de Mars, de la taille de la Terre, il n'y en a pas encore, il y en a 7 qui sont candidates. Des super-Terres, on en a plein. Voilà, donc voilà, on progresse. Mais vous avez vu que ces exoplanètes ouvrent ce champ, et c'est la continuité pour moi de ce que je vous ai raconté, hein, de Titan, d'Europe, c'est les exoplanètes. Alors, combien y a-t-il de planètes? J'essaie de tenter une courbe qui est bien connue, c'est cette fameuse métallicité. On s'est bien rendu compte que plus l'étoile était métallique, plus il y avait des planètes. Sur les plus métalliques d'entre elles, pour l'instant, on pense que 25% du temps, il y a des planètes. Mais on connaît à peu près les statistiques de ces étoiles, puis j'ai regardé, et voilà à peu près le résultat des planètes dans le système solaire. Il doit y en avoir à peu près 10 puissance 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans l'univers, pardon, je dis des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 fois 8, 24. Voilà, c'est monstrueux le nombre de planètes qui existent dans l'univers. C'est absolument monstrueux. Je veux boucler maintenant mon histoire, parce que quand je reviens ici, je vais faire une petite marche arrière, je reviens sur mes planètes, peut-être sur cette statistique ici, je m'aperçois que mes planètes ici, j'en ai beaucoup qui sont lourdes et qui sont près du Soleil. Ça me pose un problème. Quel est mon problème? Mon problème, c'est que quand j'imagine... Alors, je vais imaginer que le Soleil est là, et je vais imaginer que les planètes se forment. Ici, il fait chaud. Très chaud. Le Soleil se forme il y a 4,56 milliards d'années. Là, il fait chaud. Qu'est-ce qui fait chaud? Ça veut dire que tout est sous forme de gaz. Tous les volatiles sont repoussés. Ici, j'ai que des éléments réfractaires. Je fais des petites planètes. J'en ai pas beaucoup des réfractaires. Je fais des planètes telluriques. Plus je m'éloigne, à un moment, il fait de plus en plus froid. J'ai une fracture ici. Une fracture qui s'appelle la ligne des glaces. À ce moment-là, je suis assez loin pour que l'eau de la vapeur devienne glace. À ce moment-là, j'ai tout un univers là où j'ai énormément de matière. C'est de la glace. Il y a aussi des réfractaires. Donc, je vais faire des grosses planètes géantes. Moi, dans toutes mes idées que j'ai apprises à l'école et on s'est perfectionné, quand je fais un système solaire, j'ai des planètes telluriques, petites, rocheuses, des planètes géantes. Or, qu'est-ce que regardez? Première mesure, deuxième mesure, les astronomes reviennent vers nous, ils disent, vous êtes des charlots, les planétologues. Regardez, moi, j'ai trouvé, à la distance de Mercure, un truc qui est la taille de Jupiter. Donc une planète géante à la distance de Mercure, ça ne rentre pas du tout dans mon modèle. Et ça c'est assez intéressant, ça veut déjà dire que quand vous avez
un corps, enfin un objet, le système solaire, et que vous voulez en faire une théorie, c'est pas simple. Enfin, vous pouvez toujours, mais ça marche bien. Mais après, dès que vous avez un deuxième cas, vous apercevez que tout s'effondre. Ça, c'est une bonne leçon pour nous. Alors, pourquoi je reviens à cette histoire, c'est que maintenant, il va falloir dire, pour terminer, comment on forme tout ça. Voici ce que je vous ai expliqué il y a 14 ans, pour ceux qui étaient là. Donc, je vous ai expliqué qu'au départ, il y a 4,55, là j'ai mis un chiffre de plus, le départ, on le connaît à pratiquement 1 million d'années près. On a ce qu'on appelle des chondrites carbonées, c'est-à-dire c'est des roches super primitives qui font partie des collections qu'il y a ici au Muséum d'Histoire Naturelle, qu'on a ici à la Cité de l'Espace, de ces petits grains qui ont 4,556 milliards d'années. C'était le démarrage où tout ça démarre. Au départ, c'est un nuage de gaz, tout s'effondre et on forme le Soleil, et puis voilà, on fait tourner, on tourne, puis à la fin, j'ai quatre petites planètes, quatre grandes. Voilà. Et moi, on se disait ça il y a 10 ans, 15 ans, on disait, ben voilà, près du Soleil, il fait chaud, j'ai quatre planètes telluriques, et ça se forme en 100 millions d'années, ça prend du temps. Les telluriques prennent du temps, la cuisine prend un peu de temps. Par contre, les géantes vont beaucoup plus vite. Les géantes, c'est bâclé en 10 millions d'années. Il fait plus froid, voilà. Donc en quelques millions d'années, bon, même si c'est 100, je vous fais moi grâce par rapport à 4,56 milliards d'années, le système solaire est créé et immuable. Et c'est un peu ce qu'on faisait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on faisait tourner tout ça, et puis ça marchait très bien. Puis plus on creusait le truc, plus les gens faisaient des calculs, ils disent « mais il y a un truc qui ne va pas là ». Bon, la première, c'est que le Jupiter ou Saturne qui est là, il faut le mettre là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le système est vraiment immuable? Alors, pour ça, on a observé. Alors, la première observation, c'est les Jupiters chauds, c'est-à-dire ce fameux Jupiter qui a la place de Mercure. Là, il y a un problème. Vous êtes d'accord? Là, il y a un vrai problème. Le deuxième, c'est les simulations numériques. Les simulations numériques, quand les gens ont commencé à faire les trucs, on dit « mais non, mais c'est bizarre, c'est que les planètes, en fait, elles interagissent avec le disque. Le disque de matière, il fait les planètes. » Mais après, les disques, il y a beaucoup plus de matière dans le disque que dans les planètes. Tout ça, ça va être éjecté d'ailleurs, on va perdre la matière du disque. Mais la planète, elle va frotter contre le disque. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va migrer vers l'intérieur. On a découvert les principes de migration des planètes. Je forme une planète, et après elle migre. Mais là, c'est super dangereux. Pourquoi? Parce qu'en plus, les géantes qui sont formées les premières, alors on avait dit que le Soleil était là, là j'avais mes géantes, donc j'ai mon Jupiter qui est formé, puis après il commence à dériver. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il mange tout le monde sur le passage. Et s'il arrive au niveau du Soleil, là où est Mercure, mais il a mangé tout le monde, il n'y a plus une planète tellurique. Un jour, on dit, bon, c'est bien, mais il faudrait quand même penser à arrêter Jupiter, hein, parce que nous, on est là. Donc, il n'a pas mangé la Terre. Ça veut aussi dire, soit dit en passant, qu'il y a plus de planètes géantes dans l'univers que de planètes telluriques, puisque les planètes géantes se forment plus vite et elles migrent. Elles ont beaucoup mangé les planètes telluriques. Ce n'est pas sûr qu'il y ait autant de planètes telluriques qu'on le voudrait. Ça, c'est une bonne information. Alors, pour ça, il a fallu faire des modèles. Et puis, il y a un club, comme on le fait souvent. Vous savez, les spécialistes se réunissent entre eux. Ils sont réunis tous un jour à Nice, en 2003, 2004, plusieurs fois. Ils ont fait un groupe. Ils sont tous enfermés, là. Ils ont réfléchi. Ils ont fait tourner les ordinateurs. Ils ont sorti ce qu'on appelle le modèle de Nice, qui est sorti dans Nature en 2005, puis qui a été raffiné depuis. Qu'est-ce qu'on a de mieux pour l'instant dans le système solaire? Qui dit que, d'abord, effectivement, en moins de 10 millions d'années, peut-être 3 millions d'années, on forme les planètes géantes. Ça va très vite. Là, rien de changé. La seule chose, c'est que les planètes ne sont pas où elles sont maintenant. Tous les calculs maintenant montrent que les planètes sont entre 5,5, ça c'est Jupiter aujourd'hui, et 17. Neptune, il est à 30. Les planètes, quand elles se forment, les planètes géantes, sont super serrées autour du Soleil. Et puis après, il y a tout un tas de petites particules, des planétésimaux. Si on fait la somme de tout le monde, ça fait peut-être 35 fois la masse de la Terre, c'est beaucoup, qui traînent là-bas, qui sont très loin. Et voici le système solaire tel qu'il est formé. Donc, quatre planètes géantes, dans l'ordre Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. Ça, c'est la première chose qu'ils ont sortie. Ils ont dit, non, nos calculs disent que Neptune devrait être à la place d'Uranus. Donc d'ailleurs, le modèle prévoit qu'à un moment, hop, Neptune passe par-dessus Uranus. Puis après, il y a une deuxième variante en disant, c'est peut-être pas ça. Donc ça, c'est pas résolu. Uranus, Neptune, Neptune, Uranus, est-ce que ça a changé? À voir. Donc on forme, dans 17 unités astronomiques, ce qui est très près, c'est deux fois moins que le système actuel. On forme nos géantes. Et puis les géantes, une fois qu'elles sont formées, lentement, elles vont frotter, en fait, elles vont interagir plus avec tellement trop avec le gaz, mais surtout avec les petits corps. Ces planétésimaux, on a montré qu'ils sont petits, mais lentement, à chaque fois qu'ils passent, ils interagissent avec avec les planètes géantes. Et les planètes géantes vont se mettre à bouger. Et en particulier, Jupiter va se mettre à rentrer vers le Soleil. D'ailleurs, on pense qu'à un moment, Jupiter est rentré pratiquement aussi près que Mars. Dans le ciel, ça se voyait. Hein. Vous avez un énorme Jupiter à la place de Mars. Et alors, les planètes telluriques ne sont pas encore formées à ce moment-là. Hein.
je vous ai dit, elle se forme plus tard. Donc la matière est poussée. Il y a plein de matière qui est poussée près du Soleil par les grosses planètes géantes. Et puis, Jupiter, il commence à rentrer. On a remis le Soleil là-bas, donc Jupiter, il rentre, il a envie de manger tout le monde. Heureusement. Vous savez pourquoi vous êtes là? C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui l'a attrapé par le cou, Jupiter. Il y a une autre planète qui s'appelle Saturne. Saturne, elle n'est pas seulement belle pour ses anneaux, mais je pense qu'elle nous a sauvé la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, quand Jupiter a commencé à rentrer, Saturne est venu derrière. Bon, Uranus, Neptune étaient un peu plus loin. Et puis, à ce moment, ils sont rentrés en résonance, tous les deux. Alors là, il y a Jupiter qui s'est mis... Quand il faisait une fois le tour du Soleil, Saturne faisait deux fois le tour. Ça s'appelle la résonance 2-1. Et à ce moment-là, quand la résonance 2-1 s'est produite, tout a explosé dans le système. C'est parti dans tous les sens. Ça a mis du temps, hein. Là, on parle d'une période 500, 600, 700 millions d'années après la formation. D'accord? Et à ce moment-là, le système est complètement perturbé. Tous les petits machins qui étaient derrière, on les a envoyés très, très loin. C'est probablement eux qui maintenant sont dans le nuage de Oort et qui nous reviennent sous forme de comète. Donc cette théorie explique le nuage de Oort. Ça a vidé toute cette partie qu'on appelle la ceinture de Kuiper, où nous, on voit bien Pluton, on voit bien Sedna, on en voit plusieurs, mais on n'en voit pas tant que ça, finalement. C'est plutôt vide, la ceinture de Kuiper. Ça a vidé la ceinture de Kuiper. Il y a plein de conséquences. En même temps, ça a distribué des cailloux partout, et puis il y en a des planètes qui en ont attrapé. C'est pour ça que vous voyez souvent autour des planètes géantes des satellites qui tournent à l'envers. Ces satellites capturés, ça fait partie du scénario. Et plus important que ça, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire il y a à peu près 3,9 millions d'années, et milliards d'années, il y a eu une telle perturbation que ça envoyait des corps partout dans le système solaire. On pense que sur Terre, il y a eu plus de 200 impacts géants à cette époque. C'était il y a 3,9 millions d'années, ça s'appelle le LHB, Light Heavy Bombardment. Pardon ? Milliards, oui, excuse-moi, 3,9 milliards d'années. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce LHB, il est tellement fort qu'on pense qu'il peut stériliser toutes les planètes. C'est pour ça qu'on se pense que si la vie est née avant le LHB, elle a dû se faire arrêter et il fallait qu'elle renaisse après. Donc voilà, ça donne peut-être une limite, c'est pour boucler sur ces histoires de vie. Et donc, à la fin, les orbites vont se circulariser relativement bien. Alors, je vais vous montrer ça. Évidemment, on n'est pas avare. Et tout ça, c'est grâce à l'intelligence de quelques personnes. Alors, Sky et Telescope, ils ont fait un super film. Alors, il y a deux scénarios. Je vais peut-être vous montrer le scénario qui me paraît le plus intéressant. C'est celui-là. Voilà, on part. Il y en a un autre où c'est, je vous l'ai dit, là il est un petit peu évolué. Ça c'est la fin de l'autre, c'est pas le bon. Je vous ai dit, il y a un scénario qui est un peu où les deux planètes se chevauchent, Jupiter et Saturne. Voilà, c'est le NIS 2 qui est un peu notre référence. NIS 2, c'est quoi? Au départ, vous avez Jupiter, qui est assez près, qui est à peu près comme il est maintenant, et puis vous avez vos planètes. Les autres planètes, Saturne, qui sont là, Uranus, voilà. Il n'y a pas encore les planètes telluriques, hein, on est tout au début. Regardez en haut, on est à peu près 0 million d'années, 2-3 millions d'années, on vient de former le système. Et tout ça est coincé très très près du Soleil, extraordinairement près du Soleil, deux fois plus qu'il ne l'est maintenant. Et puis, il y a tous les petits corps, une sorte de ceinture de Kuiper. Et voilà, ça évolue, 100 millions d'années, 200 millions, vous voyez, ça bouge. En fait, ça bouge pas mal, ça bouge plus qu'on le voit ici. 400, 500, alors on ne sait pas si c'est... Alors là, on n'est pas à 200 millions d'années près. Et d'un seul coup, vous allez voir, il y a une résonance qui va s'installer ici, voilà, entre Jupiter et Saturne, et qui va faire exploser le système. Et là, ça envoie balader tous les corps partout. Et ça se stabilise à peu près comme ça. Là, on est à peu près 900 millions d'années. Vous avez... Là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On est bien à 30. Et donc, vous avez vu que ce modèle qu'on appelle le modèle de NIS, qui est vraiment notre modèle de référence, il explique... pas mal de choses, il explique le mouvement, les planètes où elles sont aujourd'hui, il explique que ce n'était pas ça du tout au début, tout le monde était très serré, il explique le nuage de Oort, c'est-à-dire qu'on a renvoyé tout très loin derrière, puis ça nous revient sous forme de comète, ça s'appelle le nuage de Oort, il explique même ce qu'on appelle les satellites troyens, là j'en parle pas autour de Jupiter, il explique beaucoup, beaucoup de choses, et donc, bon, il ne résout pas tout, hein. Il ne résout pas tout, en particulier, il ne parle pas des petits corps, il s'occupe assez peu des petits corps. Alors, c'est le scénario de grande virée, qui est sorti il y a deux ans, qui, lui, s'intéresse plutôt aux petits corps. Ah, avant, il ne faut pas que j'oublie, ça, c'est important, c'est fondamental. Hop. Ah, vous avez vu ma chute. Bon, je suis perdu. Je vous disais d'oublier tout, mais attendez. Je vais essayer de revenir sur le précédent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous ai parlé du bombardement il y a 3,9. Qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui, je prends les échantillons Apollo, ah zut, je ne les ai pas mis, eh bien, les échantillons Apollo montrent que j'ai des régions ici. Quel est l'intérêt des échantillons Apollo? C'est quand les astronautes les ont ramassés, en même temps, on faisait des mesures du nombre de cratères.
plus vous avez de cratères, plus la roche est ancienne. On est d'accord ? Donc il y a une relation entre le taux de cratérisation et l'âge. Et quand on extrapole cette courbe, qu'on a calée en absolu, hein, parce que comme on a des échantillons, eux, on peut mesurer exactement leur âge, on mesure le nombre de cratères, on a une densité de cratères correspond à un âge. Et quand on l'extrapole dans le passé, on arrive, on a une courbe qui monte ici autour de 3,9 milliards d'années. Et ça, cette courbe, ça fait 30 ans qu'on la connaît. Et quand on l'extrapole ici, ben globalement, à 4,5, ça fait exploser la Lune. Elle n'existe même pas, bien avant. Donc, qu'est-ce que c'est de la Lune, du taux de cratérisation de la Lune et des échantillons? On avait bien remarqué qu'il y avait un bombardement spécial il y a 3,9 milliards d'années. Et c'est probablement ça qui explique le modèle de Nice. Et ce bombardement n'est pas sans conséquences, hein, puisque, évidemment, il pourrait même stériliser, je dirais, chacune des planètes. Alors, on a pratiquement terminé, puisque ce modèle, il a bien d'autres variantes, hein, on le triture dans tous les sens, et il faut reconnaître ça, c'est nos amis de Nice, hein, Alessandro Morbidelli, qui est absolument génial, qui ont pondu ça, ils sont plusieurs. Il vient d'être affiné avec le scénario, ce qu'on appelle de grande virée, et qui, parce que, en fait, quand on creuse le truc, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à faire Mars. Tant qu'on a fait les planètes géantes, on va essayer de faire Mars. On fait toujours une Mars qui est petite. Une Mars qui est grosse, pardon. On n'arrive pas à la faire aussi petite que Mars. Moi, je trouve qu'elle est bien comme elle est, mais parce qu'elle est petite, elle a piégé dans le passé une histoire qui m'intéresse. Mais normalement, alors, voilà, quelqu'un vient d'expliquer, alors c'est en 2012, est sorti une série de papiers pour expliquer pourquoi Mars était petit. C'est ce qu'on appelle le scénario de grande virée. Alors là, c'est plus dans les 600, 700 millions d'années après la formation, comme le modèle de Nice, c'est dans les quelques premiers millions d'années, où c'est encore Jupiter. C'est Jupiter qui vient pousser, parce que je vous ai dit qu'il passait son temps à faire des allers-retours au début, qui vient pousser les planètes et finalement ne permet pas de faire un gros Mars. Bon, il explique plein de choses, ce modèle, et puis il est controversé. Voilà où on est aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est que le système solaire qui était simple, hein, est devenu de plus en plus compliqué. Voilà, vous oubliez quand même tout ce que je viens de dire. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, si je prends cette vision de voyageur, voyageur qui, à la fin de son voyage, hein, il a vu toutes les planètes géantes, se retourne et prend cette très belle photo du système solaire. Il n'y a pas grand-chose dans le système solaire. Hein. Il y a un petit Neptune que vous voyez ici, un petit Uranus, Saturne. Il y a du Vénus ici à la Terre, et pas loin du Soleil. Il y a Jupiter. Le système solaire, oubliez tout ce que j'ai dit, c'est avant tout du vide. Voilà, merci. T'as vu le timing ? Merci, oui, effectivement, un des exploits, c'est aussi d'avoir tenu le timing, merci Sylvestre, même si le débit et le vertigineux exposé qu'on vient de voir est passionnant, mais je pense que vous avez quelques questions, donc on va essayer durant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, de répondre aux questions, et peut-être, Sylvestre, de ne pas faire trop long, en tant que tu verras, pour qu'il y ait quelques questions qui passent. Merci. Bonsoir. A-t-on une idée de la durée quelle a été la durée du bombardement tardif et la stabilisation entre le moment... Ouais. C'est assez difficile à dire. Ouais, c'est probablement plusieurs millions d'années. C'est plusieurs millions d'années, ça c'est très clair. L'estimation pour l'instant, c'est 200 impacts sur la Terre, ce qui est énorme, 200 gros impacts. C'est sur plusieurs millions d'années, oui. On n'a pas de... Je crois pas, on n'est pas à ce grain de détail. Voilà, une spécialiste. Je voudrais revenir sur la formation de la Lune qui apparaît comme étant...